les conflits se règlent avec des mots. Salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur un autre jeu. Après un petit moment d'absence, hein, les fêtes obligent. J'ai mis quelques vidéos sur The Crew, mais en dehors de ça, pas grand chose à signaler sur la chaîne. Et vous inquiétez pas, ça va reprendre. Donc on se retrouve sur Command & Conquer General, un jeu édité par Westwood Studio en collaboration avec Electronic Arts. Enfin, développé par Westwood et Electronic Arts. Et édité par Electronic Arts. C'est sorti en 2003 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un jeu de stratégie, donc rien à voir avec les typiques jeux de voiture auxquels je joue, notamment The Crew qui occupe une bonne partie de la chaîne. Donc on se retrouve sur ce jeu, voilà, un FPS ma foi mais pas mal du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Command & Conquer, elle date de pas mal de temps. Hein. À la base, c'est fait par les développeurs chez Westwood Studio. Ils sont à l'origine de jeux comme Dune et Command & Conquer, hein, c'est Command & Conquer, notamment Alerte Rouge 1. Bon, je ferai peut-être quelques vidéos. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie, comme vous pouvez le voir, qui reprend un petit peu les événements qui sont passés en Irak, hein, dans les Américains lâchés là, donc de terroristes passés au Moyen-Orient et la Chine. Donc sans plus attendre, hein, pour faire poireauter sans s'étendre sur le menu principal, on va se diriger sur le solo. Et on va commencer par la mission d'entraînement, la mission tutoriale entre guillemets, hein, qui pour vous montrera un petit peu les bases du jeu et pour moi permettra de me remémorer un petit peu les mécanismes, hein, même s'ils ne sont pas extrêmement difficiles, hein, c'est assez simple. Mon général, le groupe terroriste le plus vaste et le mieux organisé au monde, connu sous le nom de GLA, a pris le contrôle d'un complexe chimique dans la zone démilitarisée de Mazar. Un détachement de rangers a été envoyé pour détruire cette usine. Vous en prendrez le commandement. Donc voilà, petite introduction avec l'explication de la mission et cinématique. Alors pour l'époque, hein, c'était assez spectaculaire, mais ça a pas mal vieilli. La preuve avec les I. Ici Alpha, arrivé dans 30 secondes. Coordonnées cible G9. Encaissons des tirs de batterie anti-aérienne. Équipe Alpha hors d'état, on passe au plan B, je répète, plan B. Bien reçu, équipe Beta en route. C'est parti. C'est bon Beta, à vous. Donc voilà, on se retrouve avec l'interface. Donc toute l'interface est en bas, hein, tout ce qui est contrôle pour fabriquer les bâtiments, etc. Donc là on sélectionne les unités. Beta, hein, au sol, cible en vue. C'est compliqué, hein. Tous les jeux stratégiques sont un peu les mêmes. Ça ressemble un peu à Warcraft ou Starcraft. Ou Edge of Empire. Donc voilà, on déplace une unité avec la souris, enfin bon, je vais pas vous expliquer, pas non plus des attardés je pense. Donc c'est parti, premier combat. Rebelle, demandons renfort. Renfort en route Beta, arrivé dans 10 secondes. Voilà, les Humvee, les fameux Humvee des Américains.
Je mets les trous dans les véhicules pour qu'ils soient protégés. Je vous emmène. Et on attaque la base. Signalons mouvement de troupes ennemies. Les bâtiments. Reçu. Ça c'est simple, hein, les unités G là étant un peu plus faibles que ceux des Américains. Beta, continuez à progresser, il faut libérer toute la base. Ah, on a l'appui des... Voilà, on a libéré la caserne, donc on peut construire les unités. S'écraser, ça va plus vite. On va libérer la centrale électrique, le complexe. De ravitaillement. Donc dans le jeu la seule ressource c'est ça, c'est ces petites caisses. C'est la seule ressource du jeu, hein. Par rapport à d'autres jeux comme Age of Empires où il y a la pierre, l'or, la nourriture, le bois, là il y a juste ça, les petites caisses, et il y a également la possibilité de capturer des bâtiments, et notamment des dérives de pétrole pour avoir plus de ressources, enfin, plus de revenus plutôt. Voilà. On capture les bâtiments. Voilà. C'est ce que j'ai libéré, mais il n'y a plus personne. Et le fameux engin de chantier qui permettra de construire les bâtiments. Donc là, vu que c'est la mission d'entraînement, il n'y a pas grand chose de débloqué. On peut construire que le complexe Miparo industriel, donc l'usine à char. Hop. Là, voilà, j'ai upgradé le réacteur pour qu'il soit deux fois plus productif, donc passer au vert. Amélioration terminée. Voilà. Les rangers vont en faire un peu plus. Voilà. On se déplace par là. Bien joué, la base est libérée. Rassemblons une armée assez forte. Lorsque vos troupes seront prêtes, progressez jusqu'à cette planque de la GLA et détruisez leur labo bactériologique. Voilà, ça va être un peu méchant contre gentil, hein, mais la GLA avec leur usine chimique. Ça c'est des pilotes, c'est des unités spécifiques aux Américains. En fait c'est quand on a des pilotes et quand on rentre dans un véhicule ça lui grade. Vous voyez là les petites Trouvez-moi un véhicule. Des insignes. Vos ordres général. Trouvez-moi un véhicule. Plus les véhicules sont upgradés, plus ils sont difficiles à détruire et font plus de dégâts, sont plus résistants. Je vous emmène. Et aussi ça c'est les compétences, ben, comme c'est marqué, un menu expérience des généraux. Donc on débloque des sortes de cartes, enfin, des unités supplémentaires, Voilà, pour l'instant on n'a que cette unité là à débloquer. Et plus on avancera dans les missions, plus on aura d'autres choses à débloquer en fonction de grades qu'on obtient. Et pour obtenir ces grades, hein, ces étoiles, il y a une jauge qui se remplit au fur et à mesure qu'on détruit des unités, qu'on capture des trucs. Voilà, c'est pas bien compliqué. Au début vous allez être un petit peu paumé vu qu'il y a pas mal d'informations. Enfin, vous n'avez jamais joué, ça va être un petit peu compliqué, mais au bout d'un moment, vous allez voir, c'est assez simple. Toujours prêt. J'y vais. La plupart des missions, c'est détruire l'adversaire. On va ici tout dégommer. On va s'occuper des unités près du pont. Pour l'instant, c'est des unités secrets. Capacité spéciale. Le char paladin, sa particularité, c'est que le petit laser qui permet de désactiver les missiles. Tier 2 détruit, assaut aérien dans 10 secondes. Voilà, encore un script. Bon, je cache pas que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, donc je connais un petit peu, je me rappelle un petit peu cette mission que j'ai faite tout à l'heure. Malheureusement j'ai mis le sourd un peu trop fort, nique. Voilà. La porte tombe pour exploser les tanks, le passage, on va pouvoir entrer dans la ville. Un drone pour pouvoir réparer. Je suis en route. Encore un peu. Paladin surtout.
sont un peu plus résistants que les cuirassés. Et, comme je l'ai dit, ils ont un petit laser qui permet de stopper les missiles. Voilà, petit visage. L'ennemi occupe la ville. Zone de largage parachutiste aux coordonnées Alpha 05. Parachutiste en route. Là aussi, les unités se mettent en garnison dans les bâtiments aussi. Ça, c'est une spécialité, enfin une particularité du jeu. Allez. Parachutiste, mettez-vous à couvert dans les bâtiments civils. Unité perdue. Trois missions se font abattre. Donc leur collecteur, c'est ça. Ennemi en approche. Tip en vue. Donc ça, c'est capturable. Les dérives, là, ça pourra apporter un peu plus d'argent. Donc, je vais pas le faire, ceci, c'est ça. La volonté. En approche de la base ennemie, à toutes les unités, préparez-vous au combat. Prêt à intervenir. Bien chef, j'y vais sur le champ. Les garnisons, on va les enlever. L'élite de l'armée, j'y vais. Destination confirmée. Vous aiderons au rapport. Je gagne du terrain même. Blindé ennemi en vue, soutien aérien demandé, n'avancez plus. Je vois le feu. Périmètre ennemi enfoncé. Hélico, c'est à vous. Unité perdue. Concentrez vos tirs sur le labo bactériologique. En plus, c'est quand il va exploser le labo, il va libérer des toxines. C'est pas grave. Unité perdue. Les soldats sont en train de. Ils en renvoient. Mon général, votre assaut nous a impressionnés. Vous êtes prêt pour un commandement sur le champ de bataille? Voilà. Donc, je sais pas trop quelle campagne je vais commencer en premier. Hein. Il y a la Chine, la GLA et les USA. Moi je vais vous laisser là pour cette première vidéo. Et je vous dis à la prochaine, c'était Diablo. Salut!